Sadou, il est motivé. Oh, t'as vu mes points? C'est joli. 12 590 000. Tout pile. Ou plutôt, comme on dit chez nous les Belges, 12 590 000. Le seul truc à être beau dans ce jeu avec moi, c'est lorsqu'on voit les feux prendre. Genre, c'est de la 1080p. Et tout le reste, c'est du 360. Ah, j'ai mal au crâne. Pourquoi? Faudrait peut-être que je pense à prendre cet effet Argan. Non, j'ai réellement mal au crâne depuis une heure ou deux. Genre pas très fort, hein, mais c'est chiant. Mais justement, on le prend pas très fort, c'est pardon. Allez, on est d'accord. Je te jure que je vais tuer Prestian pour ça. Non, moi ça va, j'ai pas encore écouté la musique donc tout va bien. Moi je me suis juste arrêté à ce passage là, j'étais juste curieux. Pourquoi t'as fait ça? J'ai écouté l'autre en entière que j'ai trouvé cool. Sans déconner. Ouais, I love it, elle est marrante. I love it, oh no. Et je crois que je vais l'écouter en entier aussi. Hein. Peut-être que le tueur va arrêter de me tomber dessus à chaque fois. Ah, bah c'est un trappeur. C'est un Ok. trapi-trapou à l'ancienne. Le tout premier tueur. What? C'est quoi ça? De quoi? Oh là! Oh! Je suis avec toi là? Oui? Tu m'expliques le J'ai délire mes du skill sauteur? check qui sont en rouge. Ouais, on est d'accord. Oh! Attends, c'est un truc de la harpie, cherche-moi un totem. Moi je cherche un totem, rien à foutre. Là, j'en ai un. Il est allumé? Non, mais on le détruit au cas où, parce que si c'est vraiment un truc de la harpie. Ah bah, 9-9 dit qu'il faut casser les totems. Prouvé ou pas? J'ai trouvé le totem. Nickel. Bah je peux être celui-ci, comme ça on sera tranquille. Putain, c'est vachement plus long pour les péter maintenant. T'es sérieux? Quoi? Mais c'est pas possible, il est averti du fait que je lui pétais son totem, lui. Cours! Cours, biatch! Mais quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah oui, t'as fait une PLS là. Non, non j'ai. Putain. T'as pas pété mon totem. Mais j'ai pas eu le temps de le péter. Ok, d'accord, désolé. Il est venu vers moi directement pendant que je le pétais. Wow, wow, wow. Pas le temps. C'est moi péter ce putain de totem. Il va venir recheck.
Évidemment que tu vas venir recheck. Putain d'enculé. On peut pas avancer avec ton putain de totem, laisse-moi au moins le détruire, soit fair play. Putain. Et il me laisse pas le temps d'utiliser mon coup décisif parce qu'à chaque fois je suis à côté d'un putain de crochet. Ouais. J'ai pas besoin de son et de trucs sympas pour le moment. Quand il y aura plus de monde, oui, d'accord, mais... Il bon, tu vas avoir le temps de le péter pour une fois. Putain, quoi, il faut qu'il soit occupé à chasser un joueur. T'as vu le temps que ça prend ? Bah, bien sûr que j'ai eu le temps que ça prend. Mais ça empêche que c'est le bon totem. Non, il y en a un autre. Comment ça, il y en a un autre ? Derrière le mur. Quoi, il est allumé ? Je crois. Oui. Putain, je savais qu'il allait faire ça, je voulais aller désactiver le piège. Il y en a deux juste à un côté de l'autre. Ok, j'en ai buté deux. J'ai buté trois totems en tout. Deux actifs et un inactif. Il y en a 4 par partie, c'est ça? Je sais plus, je crois qu'il y a une connerie dans le genre. C'est bon, on peut faire les moteurs maintenant. Il va me tomber dessus. Hein. Il repose son piège, évidemment. Mais d'où ? D'où ? Il y avait l'autre qui était en train d'attendre à la fenêtre et tu l'as pas vu, quoi. C'est de l'acharnement. Non, Doc. Je suis vraiment navré, c'était pas l'objectif. Il m'a vu, du coup. Quoi ? Pourquoi je peux pas utiliser mon coup décisif ? Attends, c'est quoi ce délire ? Mon coup décisif, c'est pas activé ? Non mais là ce trappeur il est trop pété là. Mais pourquoi tu me poursuis? Putain, voilà, tu m'as condamné, bravo. Putain, fils de pute. Vas-y, ça me saoule. On joue avec des abrutis en plus. Mais le pire c'est que c'est des abrutis chanceux. Ah bah pas tant que ça, tant que moi. Oh t'inquiète, 9-9, hein, mais bon. Ah, et l'autre s'est pris un piège en plus. Et non, coup décisif ? Non ? Ok, donc cette partie est totalement buggée, quoi. Et je me loupe. Ok, il a pris 3 plans pour s'activer et je me loupe. T'es là-bas. Oh, je suis niqué. Je viens de faire un câlin, mais je te décroche pas, ça te va? Allez, je crois que j'ai fait 4000 points. Oh bah génial, il y a la cave juste là. Tiens, j'ai eu une bonne idée moi encore. Je pense que j'ai fait 4000 points en tout. C'est déjà pas mal, non? Ah non, je t'ai décroché. On attend peut-être les 5000. Bon, moi j'ai même plus le droit à mon coup décisif, alors comme ça. Moi j'ai eu le droit. Mais je me suis loupé. Tristesse. Moi, deux fois, il s'est présenté au moment où il m'accrochait, donc... voilà. Eh bah putain. Eh, j'ai fait assez de points pour conserver mon cristal. Moi je sais pas. Et c'est combien? Dès que j'ai décroché des gens, c'est 7000 pour conserver.
Oh putain, j'étais limite, hein. 7100 que j'ai fait. J'ai fait 3 6000. Alors, il y avait quoi qu'on rigole? Tous les survivants sont affectés par ruine, un bon test réduit de 5%, un excellent confère 0. Mangeur d'espoir. D'accord. Euphorie de la chasse. Vitesse de profanation réduite de 10%. Bah oui. Pour chaque jeton. Ah, c'est bien. Vous recevez une alerte quand quelqu'un commence à s'attaquer à un totem ensorcelé. Mais évidemment, et force brute 3. Ah bah oui. Eh, mais il est rang 1. Ils étaient pas censés équilibrer ça? Bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, t'as pas remarqué qu'on trouvait jamais de tueur. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, je m'en branle. Oui, mais bon. Ouais, un peu triste. Avant d'en relancer une, je passe un appel. Je reviens. Oh. Manuc. Quand même, c'est chaud parce qu'à moins d'être plusieurs sur le moteur, s'il y a ruine d'activer, suffit que tu réussisses un skill check autrement que de manière excellente et tu niques tout. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah bah oui, c'est bien. Bien le bon sourire. Ça ne décroche pas, je suppose. Que tu es revenu très vite. Évidemment, t'as des corbeaux autour de toi vu que t'as pas, vu que t'as arrêté de bouger, donc. J'ai pas cherché, moi j'ai quitté. Ah bah moi je voulais voir si elle allait survivre ou pas. Enfin survivre, si elle allait se faire accrocher ou pas. Et visiblement, la réponse est assez rapide. Oui. Elle s'est fait accrocher parce qu'elle est conne. On l'avait dit que c'était con. Non mais sérieusement quoi, elle est au sol, elle est restée immobile pendant 15 ans. Oui. Oui. Du coup c'est bien, il y avait des corbeaux autour d'elle et puis le tueur il a juste eu à venir. Oh des corbeaux. C'est marrant parce que le mouvement de caméra qu'elle a fait c'était exactement ça. Genre il y avait le corbeau qui commençait à tourner puis elle a levé la tête. Ah merde. Pourquoi tu fais ça dans le sens du cœur, tu sais. Non, puis le tueur, c'est pareil, il est arrivé, il y avait les corbeaux, puis il a fait « Ah non, d'accord. » Ah d'accord. Alors attends, je regarde ce qu'il y a dans le temple. Oui, bien sûr. S'il veut bien s'afficher un jour. Bien entendu. Alors. Adongusta per angusta. Ça ne m'intéresse pas. Eh putain. C'est quoi cette compétence? C'est vraiment écrit ça? Oui. Ok, c'est quoi cette compétence? Alors, compétence donnée à Carlson. De longues nuits solitaires vous ont appris à faire beaucoup avec peu de moyens. Réduit la consommation de charge d'un objet de 10% pour vous et vos alliés se trouvant dans un rayon de 8 mètres. En gros, les objets durent plus longtemps. C'est qui a ça? Néa. Et moi je crois que j'ai fini mon... Ah non putain, il me faut encore une minute à me faire chasser quoi. Sérieusement. I love it. I love it. 593. Oui, bon, alors pas c'est triste. Combien de pierres? 593. De l'arme. 593. Non, je déconne, j'en ai pas. Est-ce que t'as apprécié? J'ai surkiffé. Parce que tout ce que tu as dit jusque là, ça pouvait s'apparenter à ça. Ah oui, sauf les larmes. Ouais, là j'avoue. Par contre, après... Augmente énormément la probabilité de t'envoyer à l'institut. Après cette partie, je propose d'inviter Telos pour essayer avec lui. Ouais. Ah bah attends, du coup je vais pas utiliser les lunettes.
La chasse au doc est ouverte. Ça va être quoi, la troisième partie qu'on fait tous les deux là? Pff, ouais. Genre easy peasy. Pas bien de leur inviter quoi. Oh. Con. Encore faible. Avec le décalage qu'il y a sur le live, je sais pas où on en est. J'avoue que je me suis perdu aussi. Peut-être la survivante avec ses corbeaux. Oui. Oui, bah oui, je pense que c'est ça du coup. Con, c'est encore faible. Oui, parce qu'à ce stade-là... À ce stade-là, soit il est en train d'insulter quelqu'un ouvertement dans le live. Soit il enfonce encore plus. Soit il y a un décalage et du coup, on l'enfonce encore plus parce qu'elle était vraiment, vraiment conne. Mais une conne. Mais je vous jure, une conne. Et d'une violence. J'en ai vu dans ma vie. J'en ai vu, alors, j'en ai connu. Mais alors celle-là, celle-là. Palmarès. Est-ce qu'elle est sur le top 3 de DBD quand même? En France ou en tout? Non, non, sur ce que j'ai vécu moi, pas sur la totalité réelle. J'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'elle est dans les top 3 des gens cons sur DBD avec qui j'ai joué? Oh putain, je croyais que tu parlais du chat, moi et tout. Non, pas vraiment, non. Champ pourri de la Colouine Form. Ça fait bien longtemps que je suis pour les porlo. Oh merde, je suis la cible. Hey, c'est moi d'habitude. Pardon. Oh, une infirmière. La harpie, on l'a pas encore eu. J'avoue que la harpie elle est plus jouée. Alors qu'au moment où elle est sortie, bah comme à chaque fois, il y avait la grosse hype. Et pourtant la harpie est bien pute hein. Parce que. Merde. Elle est après moi. Ah bah ça va, je peux continuer mon moteur alors. Je l'ai fait péter deux fois. Peut-être réussi à la perdre à force. Ouais, tu l'as ramené sur moi donc. C'est parce que je dis, je l'ai perdu. Le stream est plus fluide, mais il y a des micro-coupures. D'accord. Bah, les micro-coupures, par contre, c'est la connexion qui doit déconner un petit peu. Ça m'étonnerait pas. Du coup, j'ai que le chat, moi, donc je peux pas te dire de mon côté. Oh là, oui, non, là, il y a une grosse coupure, même, je crois. Ah ouais, je me demande si le live va pas planter, là, en fait. Non, ça a l'air... Faut que j'arrête de regarder la diffusion du stream pour voir si ça fonctionne. Je suis encore habitué aux anciens skill check. Où fallait activer avant. Il va arriver sur moi là. Moi aussi. D'accord. Tu peux m'acheter un PC, Doc? Non, j'ai pas de sous, Scorp. Tu le sais bien. Tu veux me tailler une pipe? Non, je suis pas comme ça, Scorp, tu le sais bien. D'accord que ton live il est toujours... contenu 18+. Ah oui, oui, il est toujours contenu 18+, le live, ça a pas changé, ça. Je te demande au cas où.
Attends, ce 2A il vient de me faire coucou là. Genre je veux dire, il est arrivé à côté de moi avec le moteur et il s'est genre... il s'est légèrement crouch, puis il est reparti. Genre bonjour mademoiselle. Zéro décalage. C'est amusant hein, Daphne, de dire zéro décalage parce que... Ah ! Même moi j'ai une connexion enculée. Oups. Viens pas vers moi, je suis pas là. Et moi aussi j'ai la fibre. Ah du coup, ici aussi j'ai la fibre en fait du coup, mais bon. Mais t'es obligé d'avoir du décalage. Ah le décalage, il... Je crois que le décalage maximum, enfin minimum, il est 10 secondes. Ouais, je crois que c'est un minimum. Mais t'es obligé d'en avoir. C'est chiant d'ailleurs. Le jour où il y aura de l'instantané, c'est que tout le monde aura le même niveau de co et autres. Hein. Et encore. Et c'est chaud ça. Sans aucune impureté et autres dans le réseau. Genre, même quand tu l'utilises, il reste stable au même niveau quoi. Autant dire qu'en fait, à ce niveau-là, ce sera même plus de l'internet. Internet. Ce sera plus des connexions. En fait, le seul truc... comment on pourrait définir ça, du coup? Parce que ce serait plus des problèmes en réseau, vu qu'il n'y en aurait plus. Oh, les questions philosophiques à minuit 15, là, ça devrait aller. Hein. On peut s'y mettre. Surtout que je pense à autre chose, moi, donc... Bon, bah, les couilles. Ouais. Je m'étonne que tu penses à autre chose. Moi, je m'en bats totalement les couilles, hein. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Bastien. Soyons heureux. Bon, je vais aller le sauver quand même parce que je fais que des réparations depuis tout à l'heure moi. Et serre la fin. Mais oui, mais oui. Bon bah il est mort. Il a arrêté de lutter. Ok, maintenant il faut fuir. Ah. Ah bon, bon ça va. Ah! Tu sais que j'utilise de plus en plus les placards? Ah moi ça m'arrive de les réutiliser parce que les gens font de moins en moins attention en fait. Un peu comme au début. Mais parce que c'est vachement utile en fait. Ouais mais avoue que après la bêta, c'était quand même super... C'était pas utile du tout puisque tout le monde vérifie dans les placards. Ouais. Alors que là... De l'eau a coulé sous les ponts, j'ai envie de dire. Et les gens sont beaucoup moins paranoïaques. Je vais RTL DVD, on devra tester, voir si la code de Gitan tient. Enfin ça on verra, mais rien n'est moins sûr. J'aime beaucoup le principe de code Gitan. Elle est où cette conne? Bon, visiblement... à côté de moi. Faudrait que je revoie ce que fait la compétence. Non, c'est une jolie trousse de soins. Elle fait quoi la compétence de Lori au fur et à mesure que les ennemis. Que les ennemis bouillent Que les alliés meurent hein. Ouais. Je ne sais plus avec exactitude. En vrai, elle a pas eu de chance l'infirmière, parce que cette map là, pour elle, c'est horrible. Avec les TP, tu peux juste plus retrouver les survivants. C'est juste immonde. Surtout dans les champs. Bah c'est ça quoi. Voilà, là elle vient d'essayer de me choper, c'est niqué. Ah, on est tous en train d'essayer le même moteur en fait. Ah, bien joué!
Ouais, non, non. Je suis totalement en train de la brain dans les champs. Non, mais laisse tomber. TP dans les champs, c'est du suicide. Oups. En parlant de ça, je m'en vais. Ouais, ouais, clairement, je suis en train de la brain dans les champs. Elle arrive pas à me choper. Je vais rester dans les champs. Tant qu'elle me poursuit, je vais rester dans les champs. Je crois que je l'ai perdu. Ok, la tueuse, je sais où elle est. Moi aussi. À ton cul. Non, plutôt devant. Enfin, oui, maintenant derrière moi, mais elle est pas à mon cul. As-tu ouvert cette porte? Ah. Bon, bah, je vais l'ouvrir. Ça marche. Eh bah, va donc faire un gâteau, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Et bon gâteau. Et attends, Doc. Non, mais t'inquiète, je veux juste me mettre là. Ah bah attends. Attends, utilise la trousse de soins. Je la vois qui arrive là-bas dans les champs. Je me casse, moi. Ouais, elle a besoin de faire un gâteau à cette heure-ci pour se détendre de ses révisions, je pense, dont elle parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Histoire de changer les idées. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est pas bon mon gâteau ? Non, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Je fais un gâteau. C'est vrai. C'est quoi ce indéfectible ?